Derrière petit enfant, oui, timide dans un instrument, rien ne pouvait calmer sa muse en voulant jouer la cornemuse. Et ce fut pas par hasard qu'il souffla dans un arrosoir. Il était du genre passionné, quand toujours en train de souffler, faisant toujours en son bizarre, sans que tout droit son arrosoir. Un passant qui n'avait pas le sou lui proposa pour un petit coup un instrument, un truc de fou, un bignou. Il s'est mis à souffler, le bignou a tourné, et il s'est amusé. Et puis il a soufflé. Les tailleurs devenus grands, avec toujours son instrument, le pionchi partait avec, dans le bistrot de Cunifec. Les gens venaient d'ici d'ailleurs, pour l'écouter pendant des heures, s'arrêtant entre chaque morceau, pour boire un verre, mais jamais d'eau. Il sentit l'alcool le gagner, et décida de s'en aller, sous son vélo dans la tempête. Il prit le chemin Garaganek, lorsqu'il vit un groupe d'enfants, courant, il se mit à crier, et voulut s'échapper. Le bignou a couiné, il s'est dit emprisonné. Les corrigans des petits lutins étaient des seuls très très malins. Ils s'éveillaient la nuit tombée pour devenir des affamés. Pendant ce temps, on faisait danser les hommes qu'ils avaient capturés. Ils entourèrent Jean le tailleur, qu'allait passer un sale quart d'heure, un très sale quart d'heure.